Les tantes aussi méritent d'avoir une part à l'héritage de Foku. Au même titre que le bâtard qui est dans son ventre. Mofo, je ne te permets pas. Sale vipère. Hey, la vérité blesse, hey. Mais le sang ne coule pas. Et si on se calmait? Calmos, calmos, calmos. Mofo, jusqu'ici, Hervé refuse de prendre mes appels. Ça fait 3 jours que je n'ai pas passé au bureau. Tu as de ses nouvelles? Tu me demandes ça que je suis qui pour lui? Hein? Hé, hey, ne me cherche pas, hein? Je te préviens. Au début, il venait ici pour moi. Ensuite, il est tombé amoureux de toi. Mais qu'est-ce qui se passe pour que du jour au lendemain, tu ne veux plus entendre parler de lui? En quoi cela te regarde? Ah. Tu veux déjà lui donner ton toba si c'est ça? On peut voir comme ça que l'enfant que tu portes est de lui, au nom de mon frère. Tu t'écoutes? Tu t'entends parler? Si ce n'est pas la vérité, tu t'agites pourquoi? Seule la vérité blesse. De un, Hervé est mon collègue et un très bon ami. De deux, c'est ton copain. Comment peux-tu croire comme... Hey! Foku aussi était mon frère. Ça ne t'a pas empêché de faire ce que tu as fait. Espèce de vilaine. Ah... Je me rends finalement compte que tu es incapable de tenir un homme. Parle encore ce que tu parles là si tu es forte. Ndome, si tu n'as pas peur, parle encore fort. Aka, ne profite pas de mon état pour faire comme si tu étais trop forte. Tu es sans doute jalouse de ma grossesse. Il n'y a qu'une chienne pour faire des bâtards à son défunt mari. Ok. Si ce n'est pas la jalousie qui te ronge, alors qu'est-ce que c'est? Bonjour, Madame Foku. Bonjour, Madame. J'arrive à un mauvais moment, on dirait. Non, j'ai discuté avec ma belle-sœur. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai voulu moi-même venir ici pour vous remettre ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de quoi payer ma dette envers Foku, mon défunt partenaire d'affaires. Remettez-le à Mofo. C'est sa sœur. Tu es trop gentil. C'est elle sa femme. Qu'elle assume. Franchement, vous m'embarrassez. Et je me demande si j'aurais dû. C'est la première fois que je vois une famille dans laquelle on refuse de prendre de l'argent. L'argent? Domé, récupère l'argent de ton mari, non? Pourquoi tu ne le prends pas toi-même? Puisque ta famille aime trop l'argent, ça peut être un coup monté. J'ai plutôt l'impression que c'est un coup fourré que tu veux me faire là, madame veuve. Si je ne connaissais pas franchement Foku, je croirais qu'il est un mauvais homme. Tout de même, je le dépose là. Prenez soin de le compter. Si cela ne vous satisfait pas, faites-le moi savoir.
alors je me ferai le plaisir de m'encombrer de ce pactole. Et si c'était une bombe? Et si je vous avoue que j'ai été payé pour vous tuer? Autant mieux mourir. Oui, autant mieux mourir. Foucault, décidément j'aurais tout vu avec toi. L'homme est mauvais. Il pensait qu'il peut nous intimider. Et si c'est vrai que c'était la bombe? Ce que nous sommes morts à l'heure actuelle. Je vous entends toujours. Désolé mon type, ton plan est dans l'eau. C'était temps que mon conteneur sorte du port. Depuis, Foucault avait des actions que je comprenais que dalle. Ne voyez-vous pas qu'il était efficace? Il était efficace, c'est vrai. Sauf dans le choix de l'idiote qui lui servait de femme. C'était mieux que tu n'aies pas de sœur, mon chéri Foucault. Allons, allons, allons les filles. Allons les filles. Arrêtez de vous disputer. Je veux revoir la vraie amitié qui existait entre vous à une époque. Atangana, ne compte pas sur moi pour l'autre là. Écoute, tu changeras d'avis et plus vite que tu ne le penses, crois-moi. Atangana, tu m'as demandé de t'attendre et je souhaite que tu ailles droit au but. J'ai besoin de me reposer. Je sais. Rien ne vaut le plaisir de découvrir ce que je vous ai ramené de Chicago. Ça, c'est pour toi. Ma foi. Ça, c'est pour toi. Ah, merci. Ah, super. Merci beaucoup, Atangana. L'Américain des Américains, oh. Tu avais cette surprise pour moi et tu ne me le disais pas depuis. J'adore. Merci. Atango, pour une surprise, tu as réussi. Allez, viens là. Non, viens plutôt là. Doucement, doucement le fait, doucement. Mon ami Foucault, j'aurais voulu que tu sois là, mais bon. Rien ne va jamais le remplacer. Tu crois vraiment? Même le petit être que tu portes au fond de toi? Il sera comme son père, crois-moi. Attends, Gana, j'ai aussi une surprise pour toi. Tu vois? Bon. Avant que je ne boive de ce vin, hein?
Qui de vous deux veut de ce bijou? Moi. Oh là. Posez, posez. Posez. Mm. Mm. Alors là, je vous retrouve. Je vous retrouve. Je ne comprends pas pourquoi l'argent de mon ami a pris dissuader l'amitié qui existait entre vous. Ce n'est pas du tout normal. Alors, laquelle de vous deux aimerait mettre un terme à ça? Moi. Très bien. De vous deux qui en veut à l'autre? Moi. Moi, je lui en veux tellement. Qui aimerait avoir l'argent de Foku pour elle toute seule? C'est elle. Elle. Vous voyez donc que cette guerre ne servira à rien. Et Foku n'aimerait pas vous voir en train de vous disputer, en train de vous chamailler. Voilà pourquoi il m'avait remis ce bout de papier où sont inscrits ce numéro de compte et ce mot de passe. Avec des instructions très strictes. C'est la raison pour laquelle vous devriez rester juste envers vous. Les biens dont vous possédez ne sont rien comparés à ce qui vous attend. Vous avez donc intérêt à vous entendre et éviter de vous jeter les pierres si vous voulez vraiment voir l'empire que Foku a bâti grandir. C'était un bâtisseur. Et seule votre complicité doit faire savoir au monde qu'il a réussi. Acceptez-vous, les filles? Voilà. Je pense qu'à présent, je peux boire de ce vin. Pour Atango, je vais boire au moins un verre, rien qu'un verre. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Mais juste un peu. Non, même pas un demi-verre. Elle se doit de protéger le bébé. Mais juste un verre. J'ai dit non.